mercredi. Je travaille, moi, Alex, qu'est-ce que nous aussi, mais regardez, on essaie de travailler un peu la couleur hein, pour nos téléspectateurs, c'est la moindre des c'est choses. Vrai. Alors, le mercredi, c'est ciné, comme d'habitude, et on va s'intéresser aux sorties du jour, et on démarre avec les enfants. Un conte coloré à ne pas rater, c'est la sortie justement pour sortir les bambins, les plus petits, direction les salles climatisées de notre région. C'est une bonne occasion avec cette forte chaleur. Le film s'appelle Le Lorax. Imaginez un monde sans végétation, un monde sans arbres. Est-ce possible? Eh bien justement, c'est un film écolo quelque part qui en parle. Les images sont superbes et ça donne envie d'aller au cinéma. Regardez. Tout ça remonte à il y a très longtemps. En abattant cet arbre, je venais de provoquer une mystérieuse créature venue de la nuit des temps. Le Lorax. Hé hey. C'est toi qui as abattu cet arbre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui l'a abattu. En 2012, change le cours des choses. Vous pouvez compter sur moi. Entrez dans l'aventure. Regarde, cette ville est magnifique, Ted. Non, je t'assure, si tu tiens compte de ce que je te dis, tu n'auras jamais plus besoin d'aller voir à l'extérieur. Et autre événement ciné à ne pas rater, c'est la sortie du nouveau Batman. Alors on va tenter de dire le titre, j'ai le début, The Dark Knight Rises. Yeah, bravo. C'est la trilogie de Batman, c'est le volet numéro 3, encensé par la presse. C'est une trilogie qui est clôturée donc de main de maître. Le film sortira mercredi prochain. Cette fois-ci, Batman va combattre un terroriste donc masqué dans The ce Dark nouvel Knight opus. Rises. Et le film est en sortie mercredi prochain. Alors regardez ce qui est Vous intéressant. Vous pourriez nous le faire avec la voix de radio, Laurent, le titre. C'est l'avant-première de Batman. Vous auriez pu. Oui, mardi prochain, avec deux avant-premières à ne pas rater, au cinéma Le Prado Marseille et donc à plan de campagne également. Alors, quelques images, histoire d'encenser ah oui, tout cela. Ça. Bien sûr, des images spectaculaires, de l'action, ça dure j'imagine. Quelques secondes, plein d'action, l'histoire est magnifique, c'est très bien ficelé du début à la fin. Je l'ai vu, c'est génial. Regardez. Oui. Ciné Laurent et l'actu musicale de cet été. On se doit de terminer avec une petite note musicale. C'est l'occasion rêvée de profiter de ces belles nuits d'été chez nous à Marseille et en Provence. Vous connaissez toutes et tous le groupe Moussuté, bien sûr, Moussuté et les Jovens, oui. Pour une grande tournée. Eh bien, c'est le coup d'envoi ce soir et ça mérite d'être souligné de la tournée La Marseillaise. Chaque été, on a l'occasion de les retrouver sur les plages de notre région, mais aussi dans les belles communes. Ils seront à la Belle de Mai demain et le coup d'envoi est donné ce soir à La Peine sur Yvonne. Du coup, on s'offre le plaisir d'un petit instantané comme ça d'un concert de Moussuté. Regardez. Rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un coup, maman, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage. Te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici. Un peu de vin et d'odeur du rivage. Coup d'été donc de la tournée La Marseillaise ce soir, place Jean coup Pellegrin. D'été coup d'envoi de la tournée d'été. C'est mieux. Sur la place Jean Pellegrin ce soir à La Peine sur Yvonne et demain à la Belle de Mai tout proche de chez nous. Vous voyez que je vous écoute, hein, Laurent. C'est bien.